Eh bien, salut tout le monde, c'est Paula 59 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve tout simplement, et comme vous le voyez, pas pour une présentation de jeux rétro, mais tout simplement pour vous faire découvrir un petit peu ce que j'ai acheté pendant ce vide-grenier. Donc, on est le 22 juillet. Tout d'abord, les jeux vidéo. Donc, on va commencer par les jeux de PS3. J'en ai beaucoup, j'en ai récupéré beaucoup. Donc, je vais vous faire montrer ça tout de suite. Je vais vous présenter ça tout d'abord. Donc, il est en boîte, il est scellé, donc c'est cool pour ma collection. Il est scellé, donc voilà ce que c'est. Si vous voyez pas trop bien et tout ça, je suis vraiment désolé, je vois pas le retour, hein, parce que je filme avec mon téléphone. Il est scellé, oui, il est scellé, mais ici un peu ouvert, mais sinon il n'y a rien. La boîte n'a rien. Donc voilà, donc. On va regarder tout de suite pour voir s'il y a tout simplement le jeu que vous voyez ici. Il y a le jeu. Donc on va voir s'il est à l'intérieur parce qu'il est ouvert sur le côté. La personne m'avait dit qu'il était scellé parce qu'en fait elle pensait que ça s'ouvrait d'ici. Mais apparemment non, ça s'ouvre de là. Donc on va regarder vite fait. Voilà, le jeu y est. Le jeu il y est et il est complet, c'est cool. Donc celui de ma collection, je pourrais le jarter. C'est cool, il y est. Hop, on le remet dedans. Et je le referme. Donc voilà, donc vous voyez à l'arrière. Donc c'est pour faire des dessins, tout simplement. C'est pour dessiner. Voilà, tout simplement. Donc, jeu créatif. Donc voilà. Attendez, on va bouger le téléphone. On va mettre ça là. Ensuite, les jeux PS3. Donc je vais pas vraiment tout vous faire montrer, je pense. Bon, je vais vous les faire montrer vite fait. Donc, je vais les mettre là et je voulais faire montrer vite fait. Donc, il y a Batman 3, donc Lego Batman. Il y a God of War 3, The Walking Dead, Brink, GTA 5, Epic Mickey, le retour des héros, Saints Row 4. Je crois que vous le voyez bien, enfin j'espère. Resident Evil 5. Mass Effect 3. Par contre, à force, vous n'allez plus rien voir. Donc je vais mettre ça. Je vais les mettre au sol. Allez, voilà, je vais les mettre au sol parce que sinon, on sera emmerdé. Donc, Far Cry 3. Pirates des Caraïbes. Donc là, il y en a deux dans ce jeu, ça inclut deux jeux. Donc c'est Assassin's Creed Révélation et Brotherhood. Donc voilà, donc c'est les deux, hein, tout simplement. Je sais pas si vous voyez bien, parce que j'essaie d'aller assez vite. Call of Duty Advanced Warfare avec l'édition Day Zero. Mais bon, je pense que le code est déjà utilisé, mais je m'en fous, c'est pour ma collection. Call of Juarez. Je pense que je prononce bien. Un autre Disney, donc là c'est pas un Lego ce coup-ci, c'est Toy Story Mania. Donc, voilà. Ensuite, l'autre compartiment de PS3. Donc je sais pas où je vais les ranger par contre, parce que je crois que j'ai plus de place. Il faudra que je bouge les consoles du coup. Il y a Wait. Star Wars Le Pouvoir de la Force. Assassin's Creed 3. Quantum of Solace. 007 Wanted Corp. Il dit quelque chose ce jeu. Bon, Call of Duty Black Ops. Un vieux PES 8. Lol. Oh, c'était dans le lot. Donc, un Saint-Tro encore. Donc, je crois que c'est celui-là que j'avais moi. Je m'en souviens plus trop. C'est celui-là que je crois que j'avais déjà. Faut que je regarde. Ah, dans ma collection, non, mais quand j'avais encore la PS3, PES 13, encore un jeu de foot, super. Le premier Résistance sur PS3. Max Payne 3. Là, il est un petit peu abîmé, malheureusement, la jaquette, mais c'est Driver San Francisco. Donc, si je retrouve par exemple le même jeu, je garderai le meilleur CD et puis celui-là, je le jarterai, je pense. Après, vu comment c'est rangé, ouais, non, ça, il n'est pas abîmé ici, donc on verra bien. Game of Thrones, donc on m'a dit que c'était un bon jeu, mais moi je l'ai essayé, j'aime pas. Un FIFA,
FIFA 10 et Killzone 2. Voilà, voilà tous les jeux de PS3. Donc j'ai payé directement un lot. Donc il y a eu ces jeux-là, plus des jeux du Xbox One et un jeu d'Xbox 360. J'ai eu tout ça pour 70 euros. Donc il y a 30 jeux de PS3, 4 jeux d'Xbox One et un jeu d'Xbox 360 que je vais vous faire montrer tout de suite. On va commencer par le jeu d'Xbox 360. Donc Resident Evil 6, jeu d'Xbox 360 que j'ai eu avec le lot. The Evil Within, Xbox One, c'est cool. Watch Dogs, For Honor et Arkham Knight, Batman, Batman Arkham Knight. Donc voilà un peu les jeux que j'ai eu en, c'est le plus gros lot que j'ai acheté justement pour cette brocante-ci. Donc j'en ai eu pour 70 euros le tout. Là on va continuer avec ceci. Donc je pense que vous les voyez, hein, encore un gros paquet de jeux. Et il y en a encore là, hein, tout simplement. Donc là, ce sera deux jeux de PS1. Donc c'est V-Rally et Le Monde des Bleus 2. Donc en boîte et en super bêta. Et tout simplement, bah, à part celui-là qui est un petit peu griffé ici. Mais sinon, ils sont, et celui-là aussi d'ailleurs il est griffé. Mais sinon, ils sont complets en plus. Donc ils sont en boîte. C'est mes deux premiers jeux de PS1 que j'ai dans ma collection en boîte. Sinon, les autres, ils sont en loose. Donc voilà. Ensuite, jeux de PSP. Donc j'ai 5 jeux de PSP. Donc j'ai Transformers. Voilà. Need for Speed Shift. Je sais pas si vous le voyez bien par contre. Je suis désolé. Skate Park City. Mais je suis en train de regarder l'arrière en même temps en plus. Tennis Virtua. Non, Virtua Tennis 3. Pardon. Donc c'est un jeu de sport. Hein. Voilà, donc 20 euros d'occasion. C'est où ça? Je m'en souviens plus, mais sinon c'était 20 euros. Voilà, donc je n'ai pas payé 20 euros, hein, vous inquiétez pas. Et tout simplement Yu-Gi-Oh! GX Tag Force. Donc ça c'est cool. Et j'aimerais voir si les cartes elles sont dedans. Non, voilà, elles sont pas dedans les cartes. Mais c'est cool d'avoir enfin des jeux de PSP en même temps. Dans ma collection, j'en avais pas. J'ai pas encore la console, mais par contre, j'ai arrêté de toucher la table parce qu'il y a la caméra qui bouge. J'en suis désolé. Ensuite, jeu de PS2. On va passer au jeu de PS2 directement. Donc ça, je ne connaissais pas comme jeu. Bon, d'un côté, c'est pas un jeu que je joue avec. D'un côté, les jeux en général, je ne joue pas avec. Mais c'est Dance Europe. Voilà, Dance Europe. Je vais la remettre là. Ensuite, vous allez rigoler, mais Charlotte aux fraises, voyage au pays des fraisiers rêves. Donc c'est vraiment Charlotte aux fraises. Hein. Et il est complet en plus. Hein. C'est n'importe quoi. Je savais même pas que vous avez sorti un jeu aussi débile. Colin McRae Rally 2005. Les Sims, permis de sortie. De sortir, pardon. Et normalement, il est complet. Voilà, il est complet, mais je devais changer la boîte. Donc ça tombe bien, j'ai des boîtes en rab. Car le livret se promène en fait. Bon, c'est pas trop dérangeant, mais j'aime pas quand on entend ça. Voilà. Les Herbs, donc c'est les Sims in the City. Donc c'est le dernier apparemment qui est sorti sur console, apparemment. Alors qu'il y a eu les Sims 3 sur PS3. Donc c'est sur PS2 ou Xbox. C'était les derniers à être sortis tout simplement aux Sims. Enfin, pour les Sims. PES5. Donc il est vraiment complet, il est tout neuf. Bon, il est ouvert, mais le CD il a rien. Allez, bah, les motos qui passent, hein, les cross qui passent là. C'est horrible. WSC Extreme 2. Donc voilà. Donc je l'avais déjà dans ma collection. Enfin, j'avais la boîte, mais j'avais pas le CD car le CD ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai jeté le CD tout simplement. Car moi, je veux que mes jeux fonctionnent. Voilà, tous mes jeux fonctionnent. Il faut que je teste tout ça. Et tout ça, je vais tester là, tout ce qu'il y a là. Tout ce que je vous ai fait montrer, je vais les tester. S'il y en a un qui ne fonctionne pas, bah, il ira directement à la poubelle. Je vais juste garder la boîte, la notice. Voilà. Et le CD ira à la poubelle. Donc là, c'est quoi? SmackDown Just Blink It. En anglais, il est pourri, mais voilà, hein, c'est SmackDown, tout simplement. Voilà. Ensuite, un Tom Clancy, donc le Ghost Recon, le premier Ghost Recon.
Le tout premier, sur PS2. Et je pense bien qu'il y en a un qui est sorti sur PS1, je ne me souviens plus où, c'était les SOCOM sur PS1. Et bien sûr, celui que j'attendais, et en plus il est complet. Malheureusement, il n'y a pas la carte du jeu. Il y a moyen de le trouver facilement, hein, mais sinon il est complet, il y a son livret. C'est tout simplement GTA San Andreas. Voilà, GTA San Andreas, le meilleur GTA qui est sorti sur. Même GTA 5, il ne le vaut pas. Hein, GTA San Andreas est toujours le meilleur. Donc voilà. Donc là, on va passer à un jeu de Wii et quatre jeux de GameCube. Donc le jeu de Wii que j'ai acheté, c'est tout simplement Mario Party 8. Car tout simplement, la Wii que je possède, moi, elle est craquée. Donc on n'a pas de jeu de Wii en boîte. Donc on essaye tout simplement d'avoir des jeux de Wii. Et puis, pour la collection, tout simplement. Donc en jeu de GameCube, il y a Minority Report. Minority Report, donc c'est un jeu. C'est un jeu à un joueur, donc je sais pas ce que c'est. Il y a un jeu d'aventure combat, je sais pas trop. Je sais pas trop. Un jeu que je jouais quand j'étais jeune, donc ça fait du bien de le retrouver. Donc quand j'étais petit, en fait, avec mon frère, on faisait souvent du NHL. Donc là, c'est le 2004. On adorait énormément à jouer à ce jeu. Jeu de hockey sur glace tout simplement, donc c'est vraiment un super bon jeu, je kiffe ces jeux-là de sport, comme les jeux de basket par exemple, NBA, tout ça, je kiffe. Donc ensuite c'est tout simplement en GameCube ATV 2, donc ATV 2 donc avec les quads, donc je sais pas si tout simplement il y a les motos, non, non il n'y a pas les motos, c'est vraiment que les quads ATV 2. Et un autre jeu tout simplement c'est Catwoman. Catwoman, regardez-moi ça à l'arrière. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, c'est Catwoman. Donc, on va passer tout simplement au dernier. Donc, le dernier, je vais vous faire montrer d'abord les jeux, et ensuite, je vous ferai montrer ce qu'il y a à côté de moi. Donc, je vais vous faire montrer les jeux. Donc, c'est à propos de la Xbox. Donc, il y a un jeu que j'ai déjà. Mais la jaquette est abîmée et tout ça, donc je vais pouvoir l'échanger. Et l'autre, il n'était pas complet, celui-là, il est vraiment complet. Donc, le premier jeu, c'est Vex. Donc, le premier jeu, c'est Vex. Donc, un jeu d'aventure, tout simplement, Vex. Ensuite, c'est Tennis Master Series 2003. Bon, c'est un jeu pas terrible, c'est un jeu de sport, du tennis, je ne suis pas trop fan. Le seul tennis que j'ai joué dans ma vie, c'est sur Wii, et encore. Bon, il est bien, mais voilà. Et ensuite, c'est le tout premier Halo. Voilà, c'est Halo Combat Evolved. Donc, c'est le tout premier Halo sur Xbox. Et il est vraiment complet. Il y a même le code, je crois, ici. Il y a un code, je crois. Attendez, si je regarde bien. Hop, 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 hop. Ah non, il n'y a pas de code. C'est moi qui arrive. Donc, voilà. Donc, il est complet, celui-là. Pas comme celui que j'avais déjà dans ma collection. Donc, là, le dernier objet qui est ici. Voilà. Donc je pense que vous avez deviné ce que c'est, vu comment j'ai galéré à la porter. Hein. Donc c'est un sac à dos, hein, tout simplement, le sac à dos officiel Xbox. Et à l'intérieur, il y a quoi? Il y a quoi à l'intérieur? Voilà. Et ben on va l'ouvrir, tout simplement. Voilà. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Une Xbox. Encore, et oui, donc ça m'en fait 4. 4 Xbox, mais celle-ci, comparée aux autres, c'est qu'elle est en super bêta, donc elle va aller dans la boîte Xbox que je possède, avec la manette officielle et la télécommande qui va tout simplement avec ce petit boîtier-là, il est derrière vous, donc je vais aller vous le chercher tout de suite. Donc je ne vais pas le sortir, hein, parce que j'ai déjà eu du mal à le remettre dans son sac. Le vendeur, il le faisait à 35 euros avec les trois jeux, et puis voilà, donc j'ai demandé s'il y avait la boîte et tout ça, il me dit non. Je ne pouvais pas l'essayer, parce que c'était une brocante, voilà, donc je l'ai baissé, je l'ai eu à 25 euros. Voilà, je l'ai payé 25 euros du coup. Donc je vous dis tout simplement à tout de suite, et je vais chercher ce qu'il y a derrière, parce que j'ai oublié de le récupérer avec moi. Et re tout le monde, donc voilà, c'est bon. J'ai été récupérer le petit sachet qu'il y avait derrière la caméra, enfin derrière le téléphone, ça c'est pas une caméra, pour tout simplement aller chercher la petite télécommande Microsoft, la petite télécommande, pardon, Xbox. Donc voilà, donc avec le petit livret. Donc il y avait ça, en fait, tout simplement avec le lot de la Xbox. Et il y avait la manette officielle, donc voilà, la grosse machine, la grosse manette.
officielle. Donc voilà. Donc elle est tellement grosse que bah faut vraiment avoir une grosse main. Parce que là, franchement, je la tiens dans mes mains. Bon, au moins, le truc qui est bien, bah déjà, elle est lourde. Donc c'est un peu dommage. Mais on l'a bien fermement dans les mains. Et elle fait limite la taille de ma tête, quoi. C'est abusé comment elle est grosse. Oh, le câble, il a failli voler sur la caméra. Franchement, elle est vraiment grosse. Donc voilà. Donc voilà, donc j'en ai deux comme ça avec tous les câbles qu'il y a à l'intérieur, bien sûr. Donc voilà, il y a les deux, hein, tout simplement. Donc les deux officiels. Ah voilà, vous voyez, par exemple, celle-ci et celle-ci, c'est deux manettes différentes. Pourtant, c'est deux manettes officielles. C'est les deux manettes officielles Xbox, mais deux manettes différentes. Donc faut que je regarde c'est laquelle qui manque dans ma boîte, mais je crois bien que c'était celle-ci qui était avec la manette. Enfin avec la console normalement. C'était pas celle-ci. Je m'en souviens plus trop. D'ailleurs la manette Xbox 360 ont gardé la même forme que celle-ci presque. Parce que celle-ci, non, c'est pas possible, elle est énorme. Hein. Vous voyez la grosse différence de manette quand même. C'est quand même beaucoup. Donc elles sont en parfait état. Parfait état, pardon. La Xbox, je l'ai testée, hein, bien sûr, avant de faire la vidéo. Encore un scooter qui passe, mais c'est impossible. Enfin bref. Donc voilà ce que tout ça. Donc j'ai plus qu'à trouver une place dans ma collection. Donc d'ailleurs, je vais vous faire montrer vite fait juste après. Une fois que j'aurai rangé tout ça, je vous ferai un petit passage à la fin de cette vidéo où je vous ferai montrer. En grosse partie, pas en détail, mais en grosse partie la collection que j'ai actuellement. Donc en sachant que j'ai un meuble qui me sert d'entrepôt, on va dire, pour mes consoles, qui va être retiré, ce sera une bibliothèque à la place. Donc il faut juste que je trouve une bibliothèque, tout simplement. Vous verrez ça à la fin, tout simplement. Mais tout d'abord, je vous dis déjà merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à de laisser un pouce bleu. De commenter si ça vous a plu et si vous souhaitez tout simplement le voir tout en détail de ma collection. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, tchou bye tout le monde!